Voilà les kikis, comment vous allez? Moi, j'ai le sourire, évidemment, j'ai eu le temps d'aller rouler. Et en 2 semaines, maximum 3, j'ai poncé tout ce qu'il y avait dans l'atelier. Quand je dis poncé, ça veut dire que là, tout de suite, il n'y a plus rien qui roule. Ou quasiment. À part, bien sûr, les pistes. On a, je rappelle, donc le mignon Black Panther qui a un cardan changé. J'en ai un là, je l'avais même à bord, mais sur place, j'étais trop finesse pour le faire. Le D7F, les images arrivent, j'étais sur le circuit de Hartzellen, donc organisé par Sébastien Skosch. Il y a un groupe Facebook à ce sujet, ça s'appelle pas RC Hartzellen, ça s'appelle quelque chose Alsace, RC Alsace, ou Alsace RC, sur Facebook. Donc Sébastien, bien sûr, on compte sur toi pour partager tout ça dans les commentaires. Ce groupe va passer, enfin, au niveau du circuit, ils vont faire des pourparlers pour passer en association, comment ils vont gérer ça, le circuit, etc. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce sujet si vous êtes du 68, du 67 aux alentours. Hartzenheim, c'est entre Colmar et le Rhin. Donc on est sur la ligne droite avec le circuit du Val d'Argent, Colmar et Hartzenheim, enfin un petit peu de diagonale, pour ceux qui sont de la région. Donc c'est accessible à beaucoup aussi. Là-bas, j'ai aussi, ça y est, c'est mon tour, Falcon Clan. Sorti le diff arrière du Mixmax. L'a craqué. Bon, on a continué à rouler comme d'hab, une fois que ça a craqué, de toute façon c'est touffu. Alors le truc qu'il faut savoir quand même, c'est si tu t'arrêtes tout de suite, tu vas amoindrir les dégâts. C'est-à-dire que ton pignon d'attaque ou ta couronne qui a une dent pensée, ça s'arrête là. Si tu continues à rouler, qu'est-ce qui se passe? Et bien à chaque coup, chaque clac que fait ce diff, tu presses sur les roulements. Les roulements sont assez costauds, donc ce n'est pas les roulements que tu vas abîmer, mais tu vas commencer à déformer ta cellule, que ce soit au niveau du diff ou au niveau du pignon d'attaque, ok? On va profiter de cette vidéo aussi parce que je veux, dans les commentaires, on va parler de ces problèmes de QQ de X-Max. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas de problème. On a des problèmes à certains moments parce qu'on sait pourquoi, tout simplement. Parce qu'on a exagéré, soit on a trop de puissance à bord, on a été trop brutal, on a pris des gamelles de maboule sur le tulle, sur la transmis ou autre, parce qu'on voulait absolument passer le backflip dernière minute, ce genre de choses. Il y en a par contre qui ont des soucis sans avoir fait tout ça. C'est le cas par exemple de Falcon Clan, qui a un souci avec le popotin de son X-Max. Il m'a envoyé des vidéos à rien de brutal et pourtant il y a tout le temps de destruction de cette partie arrière. On a un abonné qui a des problèmes avec ça depuis un moment, il a changé une fois, deux fois, trois fois la cellule, le truc, le bidule. Il a toujours des problèmes avec ça au niveau de cette transmission arrière. Donc j'aimerais dans les commentaires savoir qui d'entre vous a des problèmes avec ça à récurrence. Attention, il est très important de préciser, je suis full stock. L'engin est en tel étalage, machin, parce qu'on a des gens aussi qui sont à bord, comme Clément qui roule, voilà, il a dit, voilà, bon, j'ai des soucis avec mon diff arrière, mais le X-Max a 3 ans ou 4 ans, 100 ou 150 ou 200 packs, évidemment, les plastiques ont souffert, ça s'est déformé, ça a bougé, etc., etc. Donc, il faut bien placer le contexte des choses, d'accord. On sait dans le cas, la plupart des cas, destruction couronne-pignon vient de trop brutal, vitesse de rotation des trous trop élevée au moment de taper le sol quand on était en l'air, accélération trop brutale, le piège de l'ornière, je le répète encore une fois, c'est un gros piège, quand tu as un appel, un saut, ta route est là, ta bosse est là, quand tu es à cheval avec ton engin et que tu accélères à fond comme un âne parce que tu veux sauter, on l'a tous fait, il nous a tous fallu un petit moment pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand tu fais ça, ton châssis il flexe vers le bas, tu coinces ta transmis et tu défonces ton diff arrière ou couronne pignon, c'est là que ça arrive. En fait, il ne faut pas appuyer comme un âne quand tu es dans le creux de l'ornière. Non. Il faut arriver à vitesse constante et ensuite il faut accélérer une fois que tu es passé sur la bosse et pas dans ce foutu creux, même si je comprends tout à fait parce que c'est là que le saut est le plus rigolo. Ça marche mieux, c'est sympa, mais c'est exactement le mauvais moment pour accélérer. Nous allons donc démonter ce machin. Si j'ai le temps, on le fera ensemble. Après, grande partie X-Max, maintenant tu sais comment ça marche, c'est pas très compliqué. Hein? On enlève 4 vis sous le dessous, on enlève 5 vis sur la cellule de diff, et on a le diff en main. Pouh, accès rapide. Et on aura très certainement mis une dent de claquer sur la couronne principale du diff. Le MTX, on a perdu le train arrière aussi, mais là, c'est pareil, on va plus le faire sur le terrain, on va plus le faire. Et accessoirement, un moment pour rentrer.
Là, je pense que j'ai flingué tout simplement. Et c'est ça. On a tout simplement l'axe de la noix de diff arrière qui tourne dans le rien. Ça s'arrête là. Ça va être chaud pour te montrer à la caméra. C'est pas compliqué. T'as la noix de diff, l'axe qui sort la noix de diff, du pignon d'attaque. Et là, tu as la noix de diff. Il y a un axe à travers tout ça, avec un circlipse autour. Et là, l'axe s'est fendu en deux, tout simplement. Donc on a l'avant, mais plus l'arrière. C'est arrivé pourquoi? Parce que, enfin, backflip, double backflip, je suis en vitesse. J'ai insisté, j'en ai rentré très tard. Et à un certain moment, on a tapé sur le train arrière, alors que les roues tournent encore très vite. Et l'axe a fait fusible. Il a fait son boulot. C'est une panne super simple à gérer, puisque avec une pince avec ce côté, tu peux enlever ton circlipse, tu l'éloignes, tu repasses un axe, tu remets ton circlipse, basta. C'est tout ce qu'il y a à faire pour remettre le MTX en route. Sinon, RAS et les pneus J-Concept, 140 balles de train. On avait déjà recollé une partie, tu vois, et l'autre partie, il s'était pas encore décollé. Et ben là, l'autre partie s'est décollée. Vraiment, vraiment pitoyable. Quand tu vas écrire au fournisseur, et on dit, ah ouais, mais bon, ils arrivent, ils ont mis des rodations, gna 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 gna. À 120, 130, 140 balles de train, de roue, ce n'est pas acceptable que ça se décolle aussi vite. Les moyeux ont tenu bon cette fois, no problème. On peut donc en déduire, après plusieurs utilisations maintenant sur plusieurs véhicules, que le défaut qu'on a eu au début d'un de ces moyeux de jantes sur l'HPI Savage était dû à un défaut de matière sur un des hexas. Et pourquoi je sais? Parce que c'était serré à donf, au moment où on a démonté, on a dû desserrer l'écrou bien fort. Donc, voilà. C'est arrivé qu'une fois. Tout le reste, ça va bien, ça tourne toujours rond au niveau des jantes, ce qui est donc rassurant. Et le MTX aussi, définitivement, un engin à sortir plus souvent. J'ai mis du temps à le sortir, je l'ai eu, après je m'amusais avec ci, je m'amusais avec ça, etc. On a toujours encore donc, l'huile de suspension d'origine, on avait fait les diffs, mais pas les suspects. Tiens, heureusement que les ressorts sont fixés avec les trucs. Je vais définitivement, c'est vrai que ferme comme elle est, l'huile sortie de la boîte pour les sauts, les gros sauts, c'est top. Il se pose crème. Et, ah tiens, j'en ai même fendu un. Ah, bon, c'est pas grave, on va le recouler. Regarde, je l'ai déchiré à force de faire le zouave. Donc on va le recoller sur la jante. Et avant ça, on va mettre un petit bout de chambre à air à l'intérieur ici avec de la colle vulcanisante. Et on va recoller ça ensemble comme ça, bout à bout. Et après, on va coller le tout sur la jante. Artisan, je me suis régalé avec le MTX. J'avais plus de l'hypo4S avec, sinon j'aurais fait cette petite réparation. On a eu pour 2-3 minutes et on était reparti d'aussi belle. Je pense pas que les lipos étaient vides là, parce qu'on a été un petit quart d'heure avec des 8S 6005. Avec les 9000, on a fait un peu plus de 40 minutes. Bon, on y était un peu plus cool là, sur les 6005, on y était un peu plus fort. Donc c'est pas plus mal qu'on se soit arrêté. De toute façon, tu me diras pour ne pas aller rincer plus que ça. Les lipos. Alors, ça c'est réglé. Le DF7. Alors là, on a presque rentré un backflip. Je t'assure. S'il n'était pas parti en vrille sur le côté, c'était un backflip. Mais c'est pas ça qui a causé la panne. Ça c'était un peu plus tard, on a fait un autre saut. Et c'est vraiment pas grand chose. Regarde, tout ce que l'engin a eu, c'est une chape ici, qui est sortie du filetage. J'ai un moteur un peu plus gros, donc j'ai ma, tu vois, regarde, j'ai mon lien de pont qui touche au-dessus sur le moteur. Avec la pression, on est tombé sur le côté, ça a dépopé ça tout simplement du filet. Et quand on est sorti, on a toutes les pièces, c'est pareil, ça va pas être long, on va enlever la chape. On va la remettre avec soit de la loctite rouge ou un peu de colle néoprène. J'aime bien la néoprène parce que ça colle un peu, mais pas trop. C'est facile à démonter. La glue va durcir le plastique. C'est une solution de secours sur le terrain. Sinon, à l'atelier, j'évite d'utiliser de la cyano pour coller les plastiques. Je vais bien sûr recommander un jeu de chape parce qu'ils sont méga costauds. Mais en attendant, je vais réparer celle-là. Et on va continuer à poncer cette bécane. On ne peut pas dire autrement parce que celle-là, elle roule. On a laissé les K-Capit Valet Artisan.
C'était un régal. Limite un peu trop de grippe à la reprise des gaz, sortie de virage, avec ce machin-là. Mais facile à gérer. Évidemment, avec la puissance qu'on a à bord, il suffit de mettre un petit coup de gaz de plus pour ripper le tulle. Et c'est parti. Donc, lui aussi, en vrac. Attention, la liste s'allonge. On en est où ? XRT pignon couronne, refaire. Bon, là, à l'heure que je te parle, c'est déjà refait. Je dois rapidement juste faire un essai dans la rue. J'aurais certainement pas le bon étagement. J'ai décidé de mettre le Velociraptor 880 sur un support moteur AliExpress chinois pour moteur 1/5 dans le XRT, avec un étagement du coup plus grand pour atteindre la bonne vitesse malgré le 880, puisque c'est un combo. Le Velociraptor est léger, donc moins sympa. On a toujours le Erevo 2 à réviser. On a le General Lee, le VS1. Alors lui, il va bien. Ce que je dois faire, c'est le nettoyer pour le vendre. Mais je ne me suis pas pris le temps, je suis allé rouler. Cross RC, il roule. Le Creighton 4S. Là, il faut qu'on mette un autre vario. Pourquoi ? Parce que le VXL 8 coupe beaucoup trop tôt. 3,80 à la coupure. C'est 1, 2, 3. Et c'est pour ça qu'on a fait évidemment que 8 minutes par pack. 3,80 à la coupure, parce qu'on tire beaucoup de jus, et c'est sûr, avec ce petit moteur, ça va pas. Est-ce qu'on va remettre un moteur 4274 pour refaire le même essai? Pour voir si du coup on tire moins sur les batteries, du coup elles vont s'effondrer moins, et le VXL va couper un peu plus tard. Parce que dans le max, ça fonctionne à merveille, grâce à l'étagement de transmission. Diminuer une dent ou deux sur le pignon moteur, ça m'embête un peu, soit on perd de la patate, et moi je trouve ça il va bien, ça niveau patate un peu moins, ça serait chiant. Donc peut-être c'est le moment de tester où est-ce qu'il est. Je pense que nous allons profiter pour tester où est-ce qu'il est. Reviens par là. Bah, c'est quoi cette affaire? Voilà. Ça va être le moment, je pense, de tester ceci. Hobbywing Quick Run 10 BL120 G2. Pourquoi? C'est le mauvais, ça, c'est le 3S. Je sais plus si j'ai pris le bon. Bref. Si, ça va être celui-là. C'est le nouveau vario. Donc, 3 et 4S. Enfin, 2, 3 et 4S. Normalement, si j'ai pris le bon, si c'est bon, c'est celui-là, c'est le G2. 120 A toujours, comme les anciens, mais ont un nouveau système de refroidissement qui devrait leur permettre d'encaisser plus. Puisque c'est basiquement ce qui est à bord d'origine dans le Creighton 4S V2 et le Outcast 4S V2, mais sauce Spectrum avec les petits cons en plus, parce qu'on est limite sur la patate pour gratter encore un petit peu, du coup, ben, il y a un peu de mal à suivre. Et c'est dommage. Le sledge en pièces. Le jeu du Outcast, vous inquiétez pas, on va le faire. Le jeu du Stampede, on va le faire. Le 10SC, j'ai cassé un triangle, j'ai commandé, je l'attends, on va le faire. Big Mama, les deux bacs lipo ont sauté, j'ai de quoi réparer, je vais le faire. Et je t'ai dit, il n'y a plus rien qui roule là-dedans. Il nous reste qui roule, donc la VTE2 bien sûr, et Peak Power. Et c'est tout. Et les engins qui vont servir pour les tests et les petits kits débutants. La FG 12S, enfin la FG Baja est en pièces. La FG Piste Rally d'Autriche est en pièces. Et c'est pas fini. Entre temps, j'ai presque fini mon atelier en haut parce que nous allons faire ces travaux de révision précisément dans l'atelier du haut, puisque là, je vous ai dit, non, c'est pas pour salir. Tu vois, là, j'ai descendu des caisses dégueulasses. Je ne suis pas censé faire ça là. Je vais empiler la poussière. Mais comme j'ai trop traîné pour finir l'atelier en haut, là, je suis bon pour dépoussiérer celui-là et tout nettoyer là, parce qu'en haut, bien sûr, on aura le compresseur. On pourra nettoyer les caisses avant de travailler dessus, si besoin, à la flotte. Et quand j'aurai réparé tout ça et révisé ça, bon, ça tombe bien, on est quoi, mi-septembre. On va arriver à la saison des révisions. C'est la saison où il fait un peu plus moche, où tu n'as pas envie de tout dégueulasser dehors. C'est ce qu'on se dit. Au final, il se passe quoi avec Rafouille et moi? Eh ben, quand il pleut, il fait moche, on est dehors dans la gadoue à s'amuser comme des cochons. Résultat, les révisions ne vont pas avancer non plus. Mais bon, là, il faut que je fasse. Alors, pourquoi je n'ai pas réparé une caisse après l'autre systématiquement pour que tout reste utilisable comme je fais d'habitude? Eh ben, pour m'obliger
tout simplement à faire ce que j'ai pas encore fait. Là, comme dit, bon, je vais dire, ok, le créton roule, mais c'est pour faire des vols de 8 minutes, c'est pas la même. Là, maintenant, je suis obligé, pas de réparer tout cela, enfin, je suis obligé, mais je vais peut-être enfin me pencher sur le cas du Tecno 408. Ouais, j'ai déjà mis les roues. Je pense que ça va être bien avec les roues KDMMT, là. Ça va être pas mal puisqu'elles sont relativement petites, mais on a du ballon, donc ça va être cool pour les figures. Ça va être cool pour la tenue. Je suis pas encore décidé pour la carrosse, je vais mettre la cage ou pas, mais ça me tente bien. Je vais enfin sortir pour rouler cool. Qui a précisé, on va faire une session cool justement, puisque nous avons le Bigfoot à sortir, le Rustler et le USA One. Ça, ce sont trois caisses que je ne vais certainement pas massacrer. Bigfoot est pour Tombola, celui-là on va faire les tutos débutants, il sera donc à vendre pas complet en brushless à un prix sympa. Et le USA One, j'ai pas envie de l'abîmer, ça s'arrête là, c'est à moi, je fais ce que je veux. Bien. Et quand ceux-là sont en panne, non, non, ces deux-là ne sont pas censés être en panne, USA One non plus, tu non, Mani, non, non. À un moment, on montrera le kit du DBX, BBX ensemble. Nous allons faire la préparation de la VTE2 à Juju cette semaine. Il faut que ça soit fait cette semaine. Il attend sa voiture. Et moi, j'aurais normalement déjà dû la finir. Donc je suis à la bourre. Et on continuera bien sûr la série de jeux. Ça c'est sûr. Il en reste encore plein à gagner. C'est pas fini. Puisque entre-temps, j'ai à peine fini, que j'ai déjà organisé d'autres trucs. Comme d'hab. Je vous ferai au passage aussi la vidéo donc, de présentation. On vous fera un petit tour des lieux. Quand j'aurai tout fini, je suis plus très loin d'avoir tout fini, ce ne sera pas totalement fini, il restera encore à faire définitif de l'éclairage, tout ça. Après, vous me connaissez, ça va être un provisoire durable, parce que bah, ça tient. Vous étiez sûr que ça allait me tomber sur la tête, ça tient, ça tient. Je vous l'ai dit, méfiez-vous, les Chinois savent faire de la super méga bonne qualité, et nous, on ne sait plus faire. On leur a tout expliqué comment faire, on les a laissé faire. Pour que les importateurs puissent faire des grosses marches, de gros pognons, ça aurait été pas grave si les gens derrière, de notre côté, avaient de si gros salaires. Mais non, c'est vraiment, c'est resté dans les fouilles, hein, toujours les mêmes. Résultat, voilà. Et nous, pourquoi on a du matos de mauvaise qualité chez nous? Tu vois, moi, exemple, bricolage chez nous, Weldom et compagnie, c'est une catastrophe. Tu trouves le pas cher du pas cher du pas cher vendu relativement cher quand même, parce que grosse marge. Et c'est générique. Et c'est notre faute, on l'a laissé aller là. Nos grands-parents nous avaient prévenu, mais on n'a pas écouté, on voulait acheter pas cher. Mais il y a un moment, j'irai voter. Donc tout ça pour te dire, tu vois, tu n'es pas le seul si tu en panne. Si tu te dis, voilà, j'ai pas de chance, je suis en panne, j'ai ci, j'ai ça, regarde, on en est où? Black Panther en panne. T7F en panne. MTX en panne. 1, 2 X-Max en panne. XRT, non, lui il est déjà en voie de guérison. J'ai des nouvelles de Basher Bodies, la Caro est en route. Basher Bodies vous fait signe aussi qu'il a sorti les séries de stickers pour ses carreaux de XRT, disponibles en 4 coloris, bleu, orange, rouge et vert. Je prie orange. Et donc RC Baiji, on en a causé, c'est en route. Il s'est relancé. Et Concorde. J'ai oublié une info pour quelqu'un. Mani. Espèce de blanc. Très, très important. Promodélisme 67. Donc, à Urmat, près de Strasbourg, vous a organisé une sortie le 8-10. Donc, le 8 octobre. L'arrivée, c'est à partir de 8h des gens. Je crois que ça commence à 9-10h, parce qu'on est à côté, dans un village, une habitation. Vous invite à une sortie sur un pump track. Vous avez vu les pump track que j'utilise, eh bien, celui-là est deux fois plus grand. Donc on a un gros pump track, c'est un pump track privé, attention, d'accord. Donc il a demandé l'autorisation, c'est organisé avec les propriétaires du pump track.
qui ont aussi donc à côté un bus. La vidéo, si tout va bien, je vais coller la vidéo qu'on a rapidement fait avec le téléphone sur place à la fin de cette vidéo. Donc le 8-10, contactez Promodisme 67 pour réserver vos places parce qu'on va certainement limiter. Le but, c'est juste une sortie conviviale. Ce n'est pas une sortie de bâche, c'est du free ride. C'est-à-dire qu'on va tous rouler ensemble, tranquille, sur un pump track. Normalement, tu dépasses pas mi-gaz et tes batteries vont durer super longtemps. Généralement, sur un pump track, avec 3 packs, tu fais une matinée. Hein. C'est pas un problème. Le but, c'est juste appel contre appel, passer une bosse à la fois, peut-être deux. Ceux qui ont envie de tester les 3, faites les 3. Quand il y en a, mais... Le but, c'est pas de bombarder, de se rentrer dedans. Le but, c'est de rouler ensemble, de faire attention aux autres, d'éviter les pets, justement, hein, de pas aller au carton. Sur la pump track, il n'y a pas vraiment... Enfin, normalement, il y a un sens générique, hein, il y a des flèches pour les sens. Donc, on fera peut-être... On verra ce qu'on fait sur place selon nos pilotes. On va d'abord laisser faire, voir si ça se passe bien, si tout le monde arrive à rouler pêle-mêle ensemble. C'est le but, d'accord? C'est vraiment juste rouler ensemble. Sur place... Il y a tarte flambée, boisson, il y a un bus avec la nourriture carrément avec. Et c'est aussi pour vous faire découvrir ça, pour ceux qui sont du 68 et du 67. Et juste autour de l'autre sens, un peu plus loin que les 67, qui sont à la jonction là-bas, pour qui ça sera pas loin pour venir. Il y a un petit terrain de freestyle pour vélo avec Micros. Normalement, on aura le droit de rouler aussi dessus. Bien sûr, comme je l'ai dit, le but, c'est pas d'abîmer le truc, c'est juste de rouler ensemble, de passer une belle journée. On va ripailler, on va papoter. Pour une fois, ouais, c'est comme ça. Et juste rouler en mode détente. D'accord, c'est le 8-10. Vous allez voir le Facebook de Promodisme 67. Normalement, il a déjà mis les infos dessus. Ceux qui savent, bien sûr, vous partagez les liens, vous discutez avec les autres. Et on se voit, donc, tous ceux qui pourront venir, qui ont le temps. Oui, il y a une participation payée, mais avec, tu auras une boisson, une tarte flambée, l'infrastructure à disposition, il y a des toilettes et tout. Hein? Et je répète, on a une cuisine sur place. Tu as juste à commander ce que tu veux et tu manges. Ça, c'est cool aussi, n'est-ce pas? Je souhaite à tous une belle journée. Moi, je vais me mettre au boulot pour finir en haut, pour monter une des caisses, pour... prendre le sceptre là-bas avec donc j'ai la caméra dessus, l'écran de retour, la batterie additionnelle, me mettre en haut et dépiauter une des caisses, je sais pas par laquelle je vais commencer. Alors peut-être dépiauter d'abord le sledge, il est déjà propre. On va changer les diffs, les tourelles. Est-ce que je vais changer tout de suite le châssis? Ouais, bon, après le châssis RC Bagi, il a fait ses preuves, j'en ai parlé hier dans le blabla. Ça tient super bien. Ou est-ce que je vais juste coller le livre dedans pour aller rouler, que j'ai au moins une caisse qui roule. Évidemment, ne vous en faites pas. Il y a d'autres choses qui arrivent. Grâce à Axiomodisme, vont arriver donc le TB7. Vont arriver, n'oubliez pas qu'il y a une excellente série de véhicules taille SC110 qui s'appelle... je te dis pas de bêtises. Je confonds entre Ikon KDM et Kakapit. Donc, Kakapit... K1 V2. La différence avec le V1, c'est qu'ils ont renforcé la transmi. Moi, j'avais pas de problème déjà avec la transmi du V1. Là, ils l'ont renforcé un petit peu. Ne pas confondre le K1 V2 avec le K2, ou comment il s'appelle, c'est la Beetle, qui a une transmission encore un poil au-dessus, mais parce qu'elle est plus lourde et plus grande. Donc, ils ont mis ce qu'il faut pour renforcer sans alourdir la caisse. J'ai pris le kit Buggy Light. Pourquoi? Je préfère le SC. En plus, les nouveaux SC arrivent avec une carreau type Raptor. Donc, allez voir le site Axiomodisme. Mais lui, il reste des buggy et j'ai envie de faire un buggy super light. On va prendre le baril le plus léger que j'ai trouvé. Ici, j'ai un vieux Castle super léger. On va mettre un moteur en 3674 ventilé super léger. Et on va mettre un servo low profile. Ça suffit puisqu'ils font du 12-15 kg maintenant en low profile. Et on va se faire un petit buggy super léger. Pourquoi? Parce que sur les circuits moquettes, tu as le droit de rouler... sur certains endroits, les SC110, qui ont donc exactement cette taille-là, avec la grosse coque au-dessus. Pourquoi? C'est possible parce que les SC, justement, ont la coque, donc quand tu te retournes, tu n'accroches pas la moquette avec ta tourelle. Ça me dire, ouais, les buggy 110, ils accrochent aussi. Mais c'est vraiment, les tourelles, elles sont petites, c'est rechabille. Bref, c'est léger. On est à tout juste 3 kg. Mais je pense pouvoir faire moins de 3 kg avec le buggy. Le but, c'est de viser un 2,7 kg. Dans l'idéal, un 2,5 kg avec le petit buggy équipé pour rouler en 2 et 3S. Et le but étant de pouvoir rouler en 2S, donc sur le circuit moquette. Tout simplement.
Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est un petit délire que ça m'a pris comme ça. Donc, j'ai chopé un petit buggy K1 V2. Le TB7 arrive. Bien sûr, j'ai tout de suite précommandé aussi le KDM Successor 10 en kit. J'ai adoré le KDM Successor. Son propriétaire est super content avec aussi maintenant, puisque je l'ai revendu. Et là, il y a le kit qui arrive. Donc, avec le châssis amélioré, les amortisseurs améliorés, la platine de fixation moteur améliorée, etc. Parce que vraiment, cet engin m'a conquis niveau conduite. Il était super agréable. Le tarif était sympa. On était sur les 350 RTR. Bien sûr, le kit est un peu plus cher. Et c'est à toi de fourrer l'électronique dedans. Mais j'en ai assez ici. Donc on va faire une petite machine sympa de ce KDM Successor, idem. C'est le type d'engin qu'on va pouvoir rouler avec des pneus bien sûr pas trop méchants sur la moquette. Et pareil, tu mets deux S et tout se passe bien sur un circuit compact. Donc je vais faire 2-3 véhicules comme ça que je pourrais utiliser en 2S tranquille sur la moquette et en 3S ailleurs. Tout simplement. Et en plus de ça, on va annoncer la Extreme VTE 2 version 2. Là, pareil, l'influence négative des Américains, parce que une petite platine, un truc modifié pour je sais pas quoi, ils ont mis des garde-boue dedans. Pourquoi on ne sait pas non plus, je suis désolé, tu es foutu avec des garde-boue sur la piste. Je dis que niveau aérodynamique, ça amènera rien, ça carreau ouvert sur les côtés, enfin, je comprends pas trop le délire. Pour le speedrun, les drag race, je ne sais pas. En tout cas, mais forcément, ça va être plus cher. Ça ne nous apportera rien, cette V2, parce que tout comme le Dragster. Le Dragster, c'est l'influence de Obao US. Ils ont fait un Dragster à 450€ le châssis à poil. Il est top, top, top. Mais honnêtement, il n'y a que les Américains qui vont l'acheter. Chez nous, personne ne l'a acheté. Ça intéresse personne. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils vont aller avec ça. Parce que moi, je préférais qu'ils nous fassent enfin une fois un Obao VSE2 Truggy et un Hyper SC. Hyper 10 TT et Hyper 10 Buggy 4x4 nouvelle génération. Ça, c'est ce que j'aimerais voir arriver et surtout pas avec des saddles. J'aimerais que Obao reste dans le truc de l'engin entrée de gamme utilisable avec des packs standards. Parce que les engins de compète souvent roulent avec des saddles ou des shorties, des machins pour des questions d'équilibre, de trucs, de bidule. On comprend tout à fait parce qu'il faut que ce soit. Mais pour l'utilisateur loisir, c'est plus sympa d'avoir ces packs standards qu'il peut mettre partout. Tout simplement. Encore les shorties, ça va, ça rentre dans les packs standards. Quand il roule en saddle, ben c'est plus large, c'est plus plat, donc c'est chiant, ça rentre pas dans les autres. Donc j'aimerais vraiment que Obao nous sorte un 10 TT, un 10 MT, un 10 SC et un 10 Buggy. Tout simplement. Tu vois, qu'il nous fasse un VSE2, en fait. Un 10 qui fasse du coup un SC avec cette base et etc etc. J'ai très envie aussi bien sûr de prendre, alors comme je l'ai dit, là j'ai pris le buggy Kakapit V2. Je préférais prendre le SC, vous me connaissez, mais comme j'ai dit, on va faire un petit peu un autre délire des SC. De toute façon, on a plein, parce que ce que j'ai aussi envie de prendre bien sûr évidemment, c'est le dernier Techno SC. Châssis hors de prime, c'est beau. J'attends aussi un nouveau petit crawler, certains d'entre vous l'ont déjà chopé, comme Jessica J et je sais pas si c'est RCGarage 57 ou si c'est Chuck qui l'ont chopé. Action Moulis nous a dégoté des crawlers avec des pompes portiques, boîte 2, diff déverrouillable à la radio, existe avec équipé déjà en fusion, donc c'est Jessica qui l'a pris avec le fusion et donc RCGarage 57 ou Chuck RC ou un autre qui a une chaîne RC. Donc tu te signales, tu nous dis ouais c'est moi qui vais faire l'unbox par là, ils l'ont pris avec le fusion, moi ça m'arrange, j'ai pris avec le charbon. Mais pourquoi Mani préfère charbon ou fusion? Oui, parce que le fusion c'est un 1008, alors c'est bien pour les puristes du crawl, mais moi j'ai boîte 2 et diff débloquable, rien à foutre de 1800 kV. On va mettre 2500-3000 par là, tu vois, et se faire un petit rock, un rock bouncer ou un truc comme ça, tu vois, moi j'aime bien. Donc en gros le MOX en plus petit. Peut-être équipé un peu différemment, plus spécifique, rock racing, machin, bidule. On va voir ça. J'ai très envie, honnêtement, je vous le dis aussi, d'acheter des essieux de MOX et de faire un axial rift solide. Quoi? Bah ouais. Ouais. Va voir les vidéos de rock racer et rock bouncer et après on causera du axial rift version crawler.
Ouais, je sais, je m'étale, mais j'ai roulé beaucoup, alors là, j'ai beaucoup à dire entre temps et. Je suis sûr que j'ai encore oublié plein de trucs. Je suis sûr que j'ai encore oublié plein de trucs. Avant de faire les révisions, si tu prépares le techno, Mani, tu pourras rouler avec le techno. Du coup, après les révisions de traîner, parce que lui, il va rouler longtemps. Accessoirement. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ouais, j'ai un peu feignant en ce moment, hein, vous avez remarqué. Salut. Salut les kikis, c'est Mani. On est avec Philippe aujourd'hui de chez Promo 1067 qui a eu une idée. Et je vais tourner la caméra, vous allez tomber par terre. Et son idée, c'est ça. Donc là, c'est en pourparler, on peut dire. C'est ça. Avec monsieur le maire et les propriétaires du terrain. On a un pump track. Vous avez vu mes vidéos des pump tracks. Celui-là est deux fois plus grand que tous les pump tracks que je vous ai montré en vidéo. Il est vraiment immense. Et on a ici à côté, comment ça s'appelle le bus track. Le bus track, qui est donc en adjonction de ce pump track. Une buvette et barbecue, ils font c'est tout. C'est ça, ouais, c'est restauration. Ouais. Donc restauration avec le terrain de jeu aussi pour les jeunes. Et donc là-bas, ils vont faire quoi? Ça, c'est pour les. C'est parcours VTT trial. Parcours VTT trial. Ouais. Et donc, si c'est possible, on va faire un petit événement ici. Alors attention, ça ne sera pas un événement de bâche, c'est du freeride. C'est-à-dire qu'on va venir pour le plaisir de rouler ensemble. Puisque, bien sûr, sur ce genre de circuit, c'est pas la peine d'essayer de bombarder à plus que 40-50 à l'heure. Vous l'avez vu sur mes vidéos, tu te fais les appels contre appels, tu t'habitues au dévers du terrain. On peut se faire de la course-poursuite tranquille, mais comme dit, dans des vitesses mesurées. Le but, c'est pas de se télescoper, de casser le matos, de rouler sur les gens. Puisque tu constates aussi que pour rouler, tu n'auras pas des gradins à 3 mètres de haut, d'accord? Et que ton véhicule, de toute façon, souvent, tu vas aller chercher entre. Et voilà, ça sera juste pour le plaisir de se rencontrer tous ensemble. Donc on va faire une espèce de formule tout en un avec l'inscription et donc flammes et boissons c'est compris ça, dans l'inscription. Il y aura donc une inscription avec un pack boissons et tarte flambée inclus. Et du coup, ben, il faudra effectivement se réinscrire pour pouvoir... Voilà, on fera donc un tarif pour les adultes ou chef de famille et puis ensuite un truc dégressif pour les familles. On va faire des formules pack avec soit quelqu'un qui s'inscrit de manière, je dirais, solitaire ou alors des formules effectivement familiales parce que les gens peuvent avoir 2-3 tarifs tombés dans le pack. Et sur place aussi, il y a toilette, important de le dire. Effectivement, il y a toilette. Et les toilettes sèches. Sur place et, il n'y a pas de courant, donc bien sûr, vous emmenez vos batteries, vous emmenez... C'est la journée, hein, ce sera de 9h à 20h, donc... Et il y aura de la restauration tout du long, hein, bien sûr, grâce là-bas au bus et à Philippe qui est là. Sans lui, c'est mort, on crève la dalle. Parce qu'en plus, prévoyez, s'il fait beau, bon, ça sera... qu'est-ce que tu as prévu en octobre? Alors, c'est le 8 octobre. Le 8 octobre, normalement, si tout va bien. Qui est réservé, là, le dimanche 8 octobre. Voilà. Donc, on espère que la météo sera encore jusque-là, mais on va... Si on a un été indien, il faudra prévoir quand même. Et oui, s'il devait y faire beau, effectivement, on est quand même bien exposé, là. Ouais, là, il y a vraiment de quoi faire. Je ne sais pas si tu vois le bout. Vous ferez attention aussi, bien sûr, sur le bout. Vous avez tous la même idée que moi. C'est mettre plein gaz et traverser de l'autre côté de l'arbre. Mais le problème, c'est qu'il y a la voie ferrée. Tu ne pourras pas réparer. Non, il n'y a pas de voie ferrée. Non, il y a une petite barrière. Ok. Mais pour récupérer la machine, ça va être chaud. Ça va être un peu compliqué. De l'autre côté, tu finis à la flotte. Et c'est ça, de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la flotte. Hein. Donc, ça sera vraiment juste pour s'amuser ensemble, se faire plaisir, pas casser les machines. Donc, on va vous donner plus de détails dès qu'on aura plus de détails et on mettra ça au point ensemble. Mais encore une fois, c'est lui là. Là, je lui gratte le picot d'ailleurs. Salut les gars. Ciao, ciao.